Donc voilà, c'est en train de se faire. Hein. Petit. Et voilà comment nos ancêtres ils constituaient les hôtels. Voilà. Et là, on met des feuilles. On met des feuilles là-dessus. Les feuilles. Les feuilles. Donc c'est ça, il y a là quand tu vois les feuilles là, non? Mm-hmm. Comment on appelle ça? Bon. Bon, c'est des noms là, mais c'est un peu matière. C'est pas fait d'abriquer, bon. C'est un effet. Mais quand on va demander aux gens, ils vont dire que ça c'est Atikinous, Paralympipacus, c'est chez les Grecs là-bas. Ils vont finir ça. Bon. Et donc, je suis venu ce matin pour offrir des présents à nos ancêtres. Pour tous ceux qui m'ont sollicité déjà, et puis pour notre pèlerinage. Voilà, on ne peut pas vivre comme ça. Hein. Je vous ai dit d'éviter le vide spirituel. Il faut qu'on se prépare, il faut qu'on s'apprête. Nous sommes attaqués. Il y a des difficultés qui s'annoncent, mais nous sommes plus forts que ça. Voilà, nos ancêtres, ils avaient déjà prévu tout ça. Aujourd'hui, ils sont contents de nous voir là quand tu viens au bord de la rivière sacrée et que tu sens leur présence. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment merveilleux. Je vous souhaite de venir vivre ça. Venez, revenez, ne restez pas sur les réseaux sociaux pour parler. C'est bon de sensibiliser les frères, mais venez vous préparer à recevoir ce qu'ils veulent vous donner. Ne restez pas là comme ça, parce que le monde, là, il est aussi physique, mais aussi il est spirituel. C'est ce que nos ancêtres nous ont dit, ces deux mondes-là, c'est pour toi. Et on a besoin du spirituel pour être fort dans le physique. Voilà. Et donc,